Bonsoir tout Quel le monde, ici Vincent Studio pour du Dofus, encore une fois, et puis toujours parce qu'on aime ça. Entouré des mêmes, Loulou, Imagiro et Jake, bonsoir. Coucou. Bonsoir. Coucou. Apparemment, ce soir, on part sur l'île des Wabbits. Voilà. Yes. Depuis le Moi, temps je qu'on en voulais pas parlait. faire ça. Mangeons des carottes, cela rend aimable. Moi j'aime ça, mais apparemment ça m'aide pas. Hein. J'ai l'air. Je suis un cas désespéré de la carotte. Hein. La carotte, la carotte, la carotte. Vous êtes un. Tout le monde est disponible, c'est bon? Oui. Ouais, Thomas est connecté. Tu TP Jake ou je le fais? Ouais, il a réussi. Mais Là, ça va, c'était je pas sais très que dur. j'ai je sais que j'ai un niveau mauvais, mais quand même appuyer sur un bouton, je peux le faire. C'est vrai. Et tu l'as très bien fait. Regarde, je suis dans une bûche. Tu es Trinkneed. Et pourquoi tu es un Trinkneed? Parce que j'avais envie de toucher du bois. Que Allez. fait Thomas? Ben, j'ai l'écran de chargement. Ah. Ah, mais Mmh, du je suis coup. où? Eh oui, tu m'as pas. Du coup, J'étais pas fallait dans le attendre groupe. que Thomas soit dans le groupe pour TP, faut attendre 5 minutes. Bravo. Toc. Ah, mais je vais pas faire le chemin à pied. Ben non, Oh ça serait putain. dommage, ça part dans le même T'es où temps. Thomas? T'es aux abs de l'île? Oui. Attends, j'arrive. Il des Wabbits. Va aux abs de Oui, les l'île. Abdelines, c'est bon. J'arrive. Quoi? Mais je vais te montrer le chemin pour aller plus vite. Je te donne un raccourci. Et hey, où tu vas? Où tu vas? Et j'allais commencer le chemin, moi. Mais non, je te donne un raccourci. Et c'est quoi ton raccourci? Arrête de bouger! Eh bien, laisse-moi mettre au centre de la map. Qu'est-ce que c'est que ça? Faut le manger? Oui. Et les portes. Wow, mais c'est une révolution. Voilà, il est là. Attends. Allez, à gauche, tu C'est quoi? descends et à droite. À gauche? Ah oui, je suis juste au-dessus. À droite. C'est bon, on est tous là? Très Bonsoir, bien. ici Vincent. Allez, on rentre. Utiliser le trousseau de clé. Ok. Et Jake, il va faire tout le donjon en trampoline? Bah non, parce qu'au premier Ouais. combat, il va redevenir normal. Mais je sais. Oh. En quel honneur t'as été transformé? C'est Remets ta l'almanach du. dragodonne, s'il te plaît. C'est l'almanach du jour. Ah, parce que j'ai plus Ah! ma dragodonne du coup? Bonsoir, Il faut que Warzone, tu si remontes t'es avec le là. sauciflard. T'as le sauciflard, Jake? C'est quoi un sauciflard? C'est le Le sifflet qui sifflet te pour permet d'avoir. monter sur ta monture. Ah. Bon, tu veux pas mettre ta monture? Si. Ah, c'est bon. C'est bon? On a ce Alors, cac? tu es lui en premier. Il faut faire des challenges. Pour l'instant, non. Je crois pas. Après, on peut toujours faire un nomade ou premier. Oui. Warzox, en fait, c'est le monsieur qui était devant l'entrée du donjon qui nous demandait ce Ah! qu'il voulait. Le pseudo que je sais pas dire. Bonsoir, Ouais. Schwarz Ah, Wolfez. Farzog! Farzog, il passe une fois par mois, il fait coucou, il est souriant, ça fait plaisir. Warzog, ah, c'est une question pour Loulou sur le chat. Tu peux utiliser une potion de rappel pour sortir du donjon tranquillement. Et si tu n'as pas de potion de Oui, on rappel, peut. ben.
Je crois que t'es foutu. Tu peux utiliser ton havre sac en Ou tu pas te suicides. Ouais. Non, tu peux pas. Ouais, tu peux pas utiliser le havre sac. Donc, soit t'as une potion de rappel et tout va bien, soit tu malheureusement, tu te suicides. Sauf que la potion de rappel, ça te ramène normalement au zap ou au dernier point de sauvegarde. Ouais. Sauf que le suicide, ça te ramène à l'entrée du donjon. Ah, ben voilà. Tu as donc ta réponse. J'ai pas parlé ce soir. Je sais plus si c'est... la défaite te ramène à l'entrée du donjon, mais je sais pas si le suicide te ramène à l'entrée du donjon aussi. Bah c'est pareil, c'est quoi, que ce soit un suicide ou... Ah non, parce que non, le suicide c'est volontaire. Oh. L'abandon, pas le suicide. Oui. Bon, on peut pas voir les autres gens qui rentrent dans le donjon. Quand t'arrives dans la première salle, si. Tu peux voir s'il y a des gens qui viennent. Point, 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 point. Mais on est où là? Deuxième salle. C'est écrit en haut à gauche. On est chez les Wabi, tu devrais trouver donner un peu plus d'entrain, je trouve. À toutes les fois où tu nous animes. Maintenant, l'idée, il s'en fout, quoi. C'est ça. Ok. Est-ce que ça met la quête à jour quand on fait les... Bah, apparemment, oui, quatre mises à jour, la chasse de Lily. Ah, c'est chouette, ça. Chouette. Ok. Alors. Alors. Ah, donc c'est Loulou qui doit tout tuer. Bon, on n'est pas obligé de le faire. Hein. Tu fais comme tu le sens. Dommage. Un peu d'entrain. Bébé. C'est silencieux. Bah désolé. Je vais pas non, absolument dire tout ce que je fais parce que putain, on n'a pas fini. Je vais faire plus mot sur le Wabbit. Parle-nous de tes plantes, tiens, voilà. Mes plantes, tu veux vraiment me lancer là-dessus? Parce que j'ai jeté mes pensées et j'en ai gardé qu'une, elle est dégueulasse. Hein. Elle est en demi-vie là, on sait pas si elle vit ou si elle crève. Ma grosse plante, elle est en train de sécher parce qu'il commence à faire chaud. Et bah, y a que la fougère qui sent bien, mais encore là, je trouve que le terrarium est bien bien humide sur les parois, donc je sais pas. Et d'ailleurs, je l'ai coupé. Je l'ai coupé parce qu'elle était trop grosse pour le terrarium. Donc... Mmh. Voilà. Et j'ai commandé des... Putain, c'est quoi qu'on a commandé? Ah, j'ai oublié les fleurs qu'il voulait. Ah, je crois que c'est de la lavande. Mmh. Enfin, je sais pas si ça va pas attirer le moustique, cette merde. Non, la lavande, non. Les abeilles, oui, mais les moustiques, non. Ouais, ben, les abeilles, j'en veux pas. Enfin, ça m'étonnerait qu'ici, on peut toujours... Eh, tout à l'heure, il y avait une guêpe, hein. Oui, mais une guêpe, c'est pas une abeille. Oui, et mais une abeille, guêpe, elle se fera une rien. Saloperie. Et non, je sais qu'il y a des plantes qui attirent naturellement les moustiques, mais je sais plus lesquelles. Je crois que le basilic en faisait partie. Pour une raison que j'ignore. Je suis taclé. Eh bien, tu peux quand même taper. Ah, on s'en bat, allez. Okay. Non, d'abord tu tapes, après tu bouges. Bzzzt. Bzzzt. Alors, je peux plus rien faire. Voilà. Merde. Ah,
Eh bien, j'ai du mal à... j'ai du mal à cibler avec ma souris. Ça doit être la fatigue. J'ai les jambes éclatées. Pour... Je me lève, on dirait une vieille. Toi aussi, t'as des problèmes de jambes? Non, moi aussi, je fais du sport. Parce que moi, je fais pas de sport et j'ai les jambes éclatées. Non, non, c'est bon. J'ai une bonne raison d'avoir les jambes éclatées. C'est bon. Est-ce que, vu que toi, t'as dit que tu ne faisais pas de sport, est-ce que tu penses à prendre 5-10 minutes pour surélever tes jambes? Non. Eh bien, il faut. Ça favorise la circulation du sang dans les jambes et ça peut faire disparaître les douleurs. Et boire de l'eau, beaucoup d'eau. Ça, je fais que boire tout le temps. Je bois toute la journée et le soir, je bois au moins 1 litre. Genre, avant de dormir, comme ça, au moins 2 heures après, je me lève pour aller pisser, j'adore. Ben non, mais je me lève pas la nuit. Putain, moi ça m'arrive le matin. Genre, je me lève le matin à base de... Et puis même si j'ai envie d'aller aux toilettes dans la nuit, je trouve ça cool parce qu'au moins tu te lèves et après tu re-rentres dans ton lit tout chaud. Ouais, enfin... quand ça t'arrive et que t'as du boulot qui t'attend, que tu te lèves... Ah tiens, je vais pisser, il est 8h, tu fais... Ah non. Dans une alors heure, je dois me lever. Si tu te lèves à 3h du matin... Non, moi je me couche à 3h du matin. Bah en fait, je me suis couché à 6h cette nuit parce que j'arrivais pas à dormir. Ça peut arriver, mais... Mais oui, c'est pour les jambes... Enfin, un conseil que j'ai, c'est soit tu prends un bon bain chaud. Je sais que c'est pas trop la période, vu qu'en ce moment la chaleur arrive bien comme il faut, mais ça peut aider. Soit ben, tu te masses les jambes, soit tu les surélèves pendant 5-10 minutes. En plus, fin, de chez toi, tu peux le faire rapidement. C'est, tu te fous sur ta chaise de bureau et tu mets tes jambes sur le bureau. Pas forcément tendues, mais qu'elles soient surélevées, quoi. Après, je crois que c'est mieux qu'elles soient tendues, mais je suis pas sûr. Ou alors tu t'allonges sur ton lit et tu fais une énorme pile pour pouvoir surélever tes jambes. Pas beaucoup, hein, juste une petite inclinaison, ça peut suffire. Ok. Voilà. Mais j'ai mon traversin. Je sais pas si ça suffira. Hein. Ou alors tu le plies en deux. Oh, t'inquiète pas, j'ai un traversin, des... Tu mets gros papouf. Gros papouf. Trois coussins. Gros papouf, toutes les peluches. Gros papouf. Un gars de 5 ans, gros bon, papou, ça en fait des dégâts ta connerie là. C'est mon lapin. C'est mon lapin. T'as fait les deux chats en même temps, c'est chaud quand même. Ouais, ben. Pour l'instant, ça va. Hein. Ben non. Pour l'instant, parce que c'est le premier tour. Je tape qui, moi, un jour? T'as commencé à taper personne au premier tour? Non, j'ai tapé personne, moi. Ah, d'accord. Bah, il te reste le WoW Habit. Le WoW. Ok. Eh ben, bravo. Eh ben, bravo. Il a tout niqué, le challenge. Mais je vous ai dit que c'était pas possible de faire les deux en même temps. Si, c'est possible, c'est juste long. Oui, c'est très long, oui. C'est juste méga long, ouais. Ah ouais, je peux dire autre chose. Bon, je sais pas. Colin, il a acheté une barre de son. Oh, quelle marque ? Enfin, c'est pas une barre, c'est une base. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu mets sous la télévision. Oui, j'appelle ça une barre de son. Une barre de son, oui. Ouais, enfin, la barre de son, pour moi, c'était juste... Enfin, pas cylindrique, mais presque. Là, ça prend de la place. Oui, c'est un gros pavé droit. C'est ça. C'est une barre. Oui, mais... Moi, je pensais que t'avais juste une barre barre et pas une barre base. Oh, il est pénible. C'est quoi la marque? J'y arrive. Je me retourne. Attends, je finis mon tour.
C'est... Oh putain, j'ai oublié. Cambridge. Connais pas forcément. Ah bah oui, parce que de toute façon, Colin, il s'y connaît dans tout ça, va. Tout ce qui est son et un peu technologie, au moins, il est à la pointe. D'accord. Toutes les heures qui passent sur ces sites. Ouais, ouais, et puis c'est bien, en vrai. C'est... Il y a une sacrée différence. Parce qu'avant, vous aviez le son de la télé... Non, non, on avait des vieilles enceintes, mais... Ah. Enfin, des vieilles enceintes, ces vieilles enceintes. Mais elles étaient plus que correctes, mais là, c'est vrai que ça change, je crois. Ah ben là... Ouf. Il fait mal... J'ai plus beaucoup de vie, moi. On va peut-être le tuer. Bon, tant pis pour le chat, là. Tant pis pour les fleurs. Non, on fait juste... Quoi ? Change de place avec le Tiwabit, déplace-toi. S'il a pas ce genre de sort-là. Ah bon ? Comme ça ? Ah ouais. Aïe. Faut que tu le tues, là. Mais non. Quoi, mais non ? Bah, si tu le tues pas, on va mourir. Enfin, tu vas mourir et ça va faire chier le chat. Three hours later. C'est bon, hein. Il faut quand même booster, mettre la roulette. C'est vrai que moi je peux booster, quoi. Non, Ouais. Ah, papa qui m'appelle. Bon, ouais. J'en ai pas vendredi. Le mec il s'énerve, on est pas vendredi. Il m'appelle quand il veut. Et c'est le bruitage. Bon, tu le tues, là. Non. Oh là là. Si j'avais eu 9 PA à la limite. Dans 5 niveaux, non, dans 6. C'est quoi, 64, dans 6 niveaux. Hey, tout le monde passe son tour. Ouais. Échec critique. Eh ben. C'est long pour de la merde. C'est la salle du boss ? Ah oui. Et oui. On régène. Bon, est-ce qu'il y a encore des succès à faire ? Ben, je pense que oui, on les a pas fait du tout sur... Oui, parce que la dernière fois, c'est vraiment injuste. Hein. C'est Hardier. Hardier et Blitzkrieg. Ouais, voilà. Le souvenir, c'était les pires. Blitzkrieg. Blitzkrieg, ça va pas être possible, je pense. Alors, pour expliquer en cas, Blitzkrieg, c'est il faut tuer un ennemi avant son prochain tour de jeu. Dès qu'il est attaqué. Dès qu'il est attaqué. Et Hardy. Et Hardy, c'est il faut finir à côté d'un ennemi. Oh, génial. Ouais. Mais on les fera pas. On peut pas faire Hardy ? Oh, c'est déjà qu'il recherche des nouveaux coéquipiers. J'en ai rien à foutre. Oh. Ignoré pour la session. Allez, au revoir. Où est passé Jake ? Il s'est transformé. Il s'est transformé en larve. Une larve en volcan, c'est concept. Hein. À l'origine, j'étais en train de prendre de la vie. Oui, j'ai mangé une cervelle de larve. Voilà. Je pensais que c'était la barbe à papa, moi, mais bon. Enfin, faut lire quand même. C'est bien écrit. Cervelle de larve. Ça me va. Moi, je regarde un arbre. Je vais utiliser ça. Il y en a pas là, donc tu arrêtes. Une plante. Wow, c'était bien. Allez, c'est parti. Ouais, le Wawabit, c'est un peu compliqué de faire Blitzkrieg à ce niveau-là. Ouais. Et Hardy. Oh, en fait, le donjon, en fait.
Pourquoi on refait le donjon? À la base, c'était pour les succès? Mon dieu, non, mais t'es parce que sérieux? c'est une Ah, quête qui, c'est une quête. qui demande de faire le donjon. Je me disais si c'est pour refaire les succès et qu'au final on se dit ah Ah. non, en fait ils sont trop chiants. C'est le PNJ à côté de Keiko Prune qui demandait ça, c'est ça? Oui. Oui. Ok. Le fameux. Alors, on va faire ça. Ah ben, il demande de pas faire hardy, je crois. Ah non, ouais. Un accord pas. J'ai pas vu. Ne pas finir à côté d'un allié. Donc faut pas finir à côté d'un allié, mais il faut finir à côté d'un ennemi. Oui. Non, non. Pour l'ennemi, je crois que ça va être un peu difficile, là. C'est même pas possible pour le premier tour. Et du coup, c'est quoi l'autre succès? De tuer un ennemi en un seul tour. Genre le Wawabi, lui enlever 3000 et quelques points de vie, c'est mort. Donc ça, on pourra le faire que quand on sera au niveau... Donc on se bat, c'est on finit le donjon, on se s'en bat les steaks quoi. Voilà. C'est ça. On peut faire un accorette, hein, ça coûte rien. Oui, ça donne un peu d'XP. Un accorette. Faire deux pour le prix d'un. Oh. Ça non. Oui. Ah mais non. Ah mais non. Demain, je sors pour la première fois. Ça Thomas, ça interdit. Fait... Ça fait 2 mois qu'il est pas sorti de la maison, quoi. Putain. Putain. Je veux pas attendre quelques jours que ça soit légal. Non, quitte mais j'ai quitte à faire un truc. Une convocation. Ah, t'as une convocation. Ouais. Ah. Pour aller à Castanet. Tu vas foutre Castanet. Bah, c'est là où il y avait la boîte pour laquelle je travaillais. Ouais. Du coup, je leur rends l'ordinateur. Bon, tant pis. À toi de jouer! Oui, je sais, mais je regardais mes options de jeu. C'est l'heure! Et c'était pas ouf comme option de jeu. Du Dulcolax. Oula! Cabriole me manque. Ah non, c'est lui Cabriole. Comment il s'appelait ce sort? Il s'appelait Cabriole sur Wakfu. Oh. Et après, on fait quoi? Après, on peut continuer les quêtes de l'île des Hobbits. Oh, super! Pourquoi? Je sais pas, c'était juste super. T'es renseigné un peu, Jake, sur les Doppel? Sur les Doppel? Doppel, ils ont fait des Doppel. Ah? Ok. Je les ai fait qu'une fois pour le moment. C'est long. C'est. Qu'est-ce que j'ai galéré pour trouver le temple? Bah, en fait, j'ai trouvé une carte avec un chemin qui relie tous les temples et du coup c'était assez rapide au final. Mais je suis d'accord, l'Upper Mage, en fait, c'est pénible. C'était dit, regarde, c'est là, en fait, c'est pas là. Oui! Je suis allé chercher sur Internet! Tiens. Oula. Oula. Watch out, we got a badass over here. Okay. C'est quoi ce truc? La carotte. C'est la carotte. Ah. Putain.
Ah, oh, il faut une ligne de vue pour ça. Ah, je me rappelle. Avant Grigeoise, c'était soit feu, soit terre. Ah bon? Oui, c'était un des deux, je sais plus lequel. Je crois que c'était terre et Grigeoise. Oui, je crois, il me semble. Ouais. Bah là, c'est de l'eau. Oui, parce qu'ils l'ont changé pour que toutes les classes puissent faire mumuse avec tous les éléments. Genre vraiment. Attention. Ah putain, je l'ai uniquement dans l'oreille gauche, du coup ça le fait encore plus. Toi aussi, putain. What? Eh ouais. Tiens. Pourquoi est-ce qu'il s'est retrouvé là, lui? Parce que c'est moi qui lui ai dit d'aller là. Non, putain, il a disparu, j'ai cru qu'il était mort. Ah bon? Oh là il là. Est sorti de la map. Qu'est-ce que vous avez fumé? Il est passé de gauche et je regardais la case de gauche et tout d'un coup il n'y avait plus rien. Du coup, mais il a enlevé 2000. Oui. 2300. C'est pour ça qu'il est très gros, mon tofu. Il mange les ennemis. Non, il a sauté de la map parce que la terre est plate. C'est un glout au bord. Putain, mais vous le faites exprès. Oui. Deux. Là, je te gêne. Bah oui. Désolé. Moi, je m'éloigne pour que laisser de la place et. Ouais, mais il a besoin de lignes, lui, Thomas. Mais ah, j'ai besoin de lignes de. Si tu tapes en ligne, il tape pas en zone. What the fuck. Ah, super. Je savais pas. Mais si, ça touche sur 4 cases en ligne. Oui, mais je pensais pas que ça allait toucher un allié. Ah, si, si, ça touche 4 cases en ligne. Mais casse-toi, le chat. J'ai fait une connerie. C'est pas grave, hein. C'est pas ça que je voulais faire, mais... Oh non. C'est mon Wabbit. On n'y toucherait plus. C'est un tour très qualitatif. Et ben voilà. Et ben voilà. On a gagné. Sortir. La Dragodinde est enfin passée niveau 100. Oui, elle l'est. Chouette. Oui, elle l'est. On sort, c'est ça? Oui. Et les quêtes, il faut les démarrer au village? Ben on les a toutes démarrées en fait. Oui, mais enfin, ça continue après au village ou pas? Mais il faut, c'est des quêtes qui demandent de buter des monstres, donc on peut. Est-ce qu'on retourne d'abord au village? Je pense que oui, parce que c'est des petits monstres. Très bien, on retourne au village. Mais moi, en attendant, je vais changer ma DD. Mais quel village? Tout en haut de la map, il y a Logel, le Lénald. Vous lui parlez et vous retournez au village. Hop, et je la vendrai plus tard. J'arrive, hein. Je change vite fait de monture. On a dit merde, il des Wabbit. On appuie sur D. On remet le corne. Ah, impossible de monter, elle est épuisée. Oh putain. Merde. J'ai pas acheté de pépites. Bon, je reviens. Celle de Thomas aussi est bientôt épuisée, non? Pourquoi? Je sais pas. Comme ça, une intuition. Pépite, c'est ça? Oui. Énergie?
Oui, énergie. 2765 sur 30 000. Ah, ça va. Juste en prendre 100. Ah non, moi je l'avais blindé. Hein. Hop, on revient. On lui donne à bouffer. Et on monte dessus. On a un pec. J'arrive. On va sur quelle map? Moi je suis en 24-5. Allez go. Je vous attends. Faut monter. Regarde. Regarde. On monte. Il faut tuer principalement des Tiwabits. Ouais. Attends. Tiwabits. J'ai 3 quêtes sur les Tiwabits. Ouais. Oui, comme la couronne qu'on peut pas faire. Et tuer du Tiwabits. En masse. Il n'y a aucun mob sur ZT ou quoi? Non, il n'y a plus de mob. Ils ont été éradiqués parce que ben on vient plus et donc. Ils se sont dit bon, ben, si Thomas il vient plus, ben, nous non plus. Si jamais vous voulez XP vite fait les montures, les chasses au trésor, c'est pas mal pour la. Ouais. Je sais. Vous êtes à droite, gauche? Gauche. 23-7. Ok. Il y a 2 Tiwabits là. Mais c'est un gros groupe. C'est que des Tiwabits, c'est pas des Black Tiwabits? Non, ouais, non, que du Tiwabits. Ok. Il en faut 11. Bah là, t'es juste en dessous, là, regarde. Quoi? Avec la canne à pêche carotte. Mais non, c'est des Tiwabits qui a faim. Nous, on veut des Tiwabits normaux. Ah, oh là là. Vous voyez quand tu dis normaux. Tirer dans le tas. Rapproche-toi, Jake. Il faut vaincre. Ils vont pas bouger, ces salopards. Ils vont tous se bloquer et. Ouais, ça va être chouette d'aller les chercher. Hein. Merde! Qu'est-ce que tu fais? Je pensais que ça allait m'attirer moi. Oh, ça va, c'est qu'un. PM. Ah, pou. Tu peux me taper? Trop tard. Bon, tant pis. Bonjour. Frappez-moi. Restez par là. Bon, ben barrez-vous. Quelqu'un a déjà tapé le Tiwabit là? On s'en fout du sol. D'accord. De toute façon, niveau monstre sur l'île de Wabit. Je crois qu'il nous en reste que un ou deux, je crois, non? Il faut que je regarde. Parce qu'ils sont pas classés dans île des Wabit. Oui, bah, c'est dans les Wabits, il nous manque le Wabit GM, le Wabit squelette et le Black Wabit squelette. Donc, ouais, jusque-là, c'est là. Black ou. Et dans la gaude du bois, il faut le Black Wabit, le Wobot qui a faim, le Blanc. Eux, ils sont dans le donjon niveau 80. C'est ça. On n'a pas encore. La puissance.
Et merde, je pensais pouvoir faire la piqûre, mais ça prend trop peur. Je peux toujours faire ça. Sur le chat, le Wabbit GM a 30 minutes de temps de respawn. Ah, c'est passé à 30? Parce qu'avant, c'était la journée. Et c'est pas une blague. C'est quoi le Wabbit GM? J'ai un Wabbit génétiquement modifié. C'est un world boss? Non, c'est un monstre qui est dans sur une seule map. Et il fait partie de 2-3 quêtes, mais à chaque fois c'est l'enfer parce que tout le monde veut le faire. Et pas que pour faire des quêtes. Voilà, ils veulent le faire juste pour le faire. Putain, moi je me souviens dans le temps. Dans le temps c'était pas une demi-heure. Ouais, heureusement, je sais pas trop. Attendre une demi-heure sur la même map pour me dire. C'est un peu pénible. Tu dis bonjour à ma mère. Déçu de ton comportement. Tu l'as complètement snobé. Papa palapa. Ah, tu peux le faire deux fois, ça y est. Oui. C'est bien. Permet d'avancer. J'ai peur que je pense à la paix. Oh putain. Ouf. Putain. Un PO quoi. Ça va, ils ont beaucoup de vie, c'est pas comme si on allait terminer le combat là maintenant. Non, mais ça veut juste dire que j'ai fait une piqûre pour rien. Sérieux? Quoi? Je m'attendais pas à ça. Pourquoi je peux pas faire prime? Ah merde, je sais pourquoi, tant pis. Massacre entre Wabbit. Il en manque 9. Moi, Team Massacre, j'ai fini. Oui, moi aussi. Et il manque, ouais, 9 Team Wabbit pour la chasse de Lilu. Team Massacre, oui, mais sinon, bah pareil que lui. Bon, bah, on va chercher. Tous en haut. Là, il y en a 2. Allez. Pa-pa-pa-la-pa-pa-pa-pa-la-pa-la-pa.
Oh bah bravo. Eh ben voilà. J'ai terminé avec le coup. Hein? Jojo Diamond Unbreakable. Ouais. Eh ben. C'était pas ouf, hein. Tu sais que c'est la saison préférée de celui qui a fait la... qui a créé Jojo. Ben tant pis. Mais c'est pas que c'est pas ouf, c'est juste que. En fait, je sais pas trop ça méritait pas, ça méritait pas autant d'épisodes. Je sais pas, parce que d'un côté tu te dis bon ben il a fait plein de petits épisodes avec plein de petits personnages, c'est cool. Mais c'est vrai que pour le plot même, on va dire de l'arc, c'est ouais c'est pas ouf. Ça se débloque qu'à la fin en fait tout ça. Après il y a des trucs vraiment trop chouettes. Hein. Je sais pas, oui, des bonnes idées, des bons. L'espèce, des bons trucs, de, l'espèce de rat qui peut faire une gatling là. Enfin, je sais pas pourquoi il est là, mais il est là. Enfin... Ah oui, ce truc, mais c'est des épisodes. Mais voilà, c'est, en fait, t'as plein ça d'épisodes. Ça sert à rien. C'est t'as plein d'épisodes juste pour aller. T'as un mec, c'est bon, il meurt, fini. Un mec, c'est bon, il meurt, fini. Enfin, c'est parti. T'as un épisode qui fait avancer là. Après. J'ai fait n'importe quoi encore une fois. Du coup, j'ai commencé Golden Wind. Golden Wind. Oh, ciao! Golden Wind! C'est trop bien cette musique. Oh non! Oh, le chaton! Il a ruiné c'est le fait chat! C'est monté! Alors, il l'a ruiné. Il a dit non, tu arrêtes. Jake, si des fois je te gêne pour taper, tu peux taper Massacri avec ta griffe joueuse, hein, s'il y a un monstre derrière. Ok. Parce qu'en fait, moi j'ai de PV, plus je tape fort en fait. Donc c'est pas grave si tu me tapes. Ah. Donc là en gros tu te mets en ligne avec le Black Wabbit, les deux Black Wabbit et voilà. Ah, ah j'ai taclé, c'est trop tard. Bah tape d'abord celui-là si tu veux. Ah mince. Dommage. Oui. Ah trop tard. La la la. Ensuite, je propose d'aller à droite. Regardez-le, ce poisson moisi. Quoi? Quoi? Il y a un mec avec un poisson. Ah, le Mildo. Je suis d'accord, le Mildo ça rend nul. Oh, j'en ai 3 là. 3 là. Où ça? En 25 moins 8. Oula. C'est juste à droite. Aïe. Si à la fin de Golden Wind tu trouves que c'est du bullshit, t'as le droit. Ah ouais? Ah moi j'ai dit mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde?
Il y a un truc que j'ai trouvé nul. Enfin, à la fin de... Comment ça s'appelle ? Diamond is Unbreakable. Diamond, ouais. C'est... Je sais plus ce que c'est, mais j'ai trouvé ça nul. J'ai mis à... Arrêtez de parler. On a compris. Mais t'as vu juste la dernière fin de Diamond is Unbreakable ? Attends, c'est quoi la dernière fin ? Ben, Josuke qui fait un espèce de mouvement de hanche qui fait « On y va !» Oui, j'ai vu ça. C'est le truc qu'il faut retenir de la série. Non, ça, Erwan qui chibait. Oui, il est cool. Oh, j'étais tellement content de la mort de... Comment il s'appelle, Shigeki ? Non. Le petit, ouais, le gamin, là. Sur la tête. Oui, le gamin. Oh, quel enfer. J'étais tellement content qu'il meurt. C'est moche quand même de se dire waouh, je suis super content que quelqu'un crève. Enfin. C'est pas. Bli 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 bli. Non. J'ai aucun sort de zone, moi. C'est l'heure de la blague. Alors... Là. C'est l'histoire de Moby Dick qui rentre dans un bar, et dans un autre. Puis dans un thon, puis dans un dauphin, puis dans un requin. Voilà. D'accord. Il finit pas dans une baleine ? Bah Moby Dick, c'est une baleine. Ah oui, merde, je suis con. Il finit dans du krill. Oh tiens, du krill. Merci beaucoup. J'aimerais bien savoir parler baleine. Ah yes. Mon tofu, il gèle. Un nouveau sort. Ah ouais, t'as gagné quoi? Ouais. Félation. Ah, félation, un sort. Ah, c'est le meilleur sort. Ah d'accord, je viens de comprendre, ok. En gros... Vole des points de vie, pousse les ennemis et les alliés. Vole des points de vie aux ennemis dans l'élément haut, pousse les ennemis et les alliés. Ça vole des points de vie et ça pousse. Oui. C'est pas mal, l'inflation. Tu peux le faire en diagonale et tout, c'est... Ça rend très fort. Alors, permettez-moi de changer ma barre de sort. Vas-y. Ah, y a un groupe qui vient d'apparaître avec deux T-Wobbit. Ouais. Ouais. Alors, on voit que ça tape en ligne. Quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Est-ce qu'on voit que ça tape en ligne les sorts ? C'est écrit dans... Si c'est pas écrit, c'est que ça tape n'importe où tu veux. Voilà. C'est en ligne uniquement, ok. Ouh, j'ai un sort qui tape loin, pas en ligne. Ouais, attention, moi je trouve ça ultra fort si tu joues. Oh. Tout le monde est prêt ? Quoi ? Oui. Oui, alors il faut que tu fasses la différence entre ce que tu crois et félin. Voilà. Bon, évidemment, c'est très équivoque, hein. c'est un jeu de mots assez puéril. Mais efficace. Par contre, tu peux pas faire félin corps à corps. Il faut toujours que tu sois à deux cases, je crois, de distance. Enfin, tu vas vite le voir, de toute façon. Oui. Oh, on peut peut-être faire le chien. C'est pas on peut, c'est on va le faire. Comment est défini l'ordre des combats ? J'ai l'impression que c'est tout le temps le même ordre dans notre ordre de passage à nuit. C'est normal. Oui, parce qu'on a... c'est en fonction de notre initiative. Et comme notre initiative ne change pas en ce moment,
Vu qu'on gagne pas trop Dans trop de le. niveau ou qu'on change pas d'équipement, ben voilà. Dans la fenêtre de groupe, là où il y a tous nos personnages, quand tu mets la souris sur un personnage, tu vois son initiative tout en bas. Mais il est énorme, mon initiative. Ok. Ouais, elle est bien basse. Hein. L'initiative, c'est le bonhomme vert. Quoi? Non. Initiative. Non, c'est le quelle bonhomme icône? vert? Non, regarde. Au pire, va dans tes caractéristiques. T'as un onglet détail en haut. Et c'est parmi la liste dans caractéristiques secondaires. Ou alors, regarde sur le retour, je te le montre. Oui, je regarde. Aïe. Ah, ok. Et maintenant, Guillaume, il est l'heure de tester ton nouveau sort. Tu vas reculer du Black Wabbit. Tu vas faire Phénicien. C'est pas trop mal pour un sort qui vole de la vie. J'avoue. Je peux pas le refaire deux fois. Okay. Pas sur la même cible. Tu peux le faire sur l'autre Black Wabbit là-bas. Non. Pourquoi? Ah si. Ah, une case près, pardon. Mais j'ai envie de faire du beat. Il tape au bas. Ah mince. Incroyable. Il est trop fort. C'est moi qu'il faut taper, Jake, c'est pas Thomas. Vous avez la même couleur de monture. Oh, quand même. Non, moi c'est noir. Bah, rouge et bordeaux. Bon, il nous en manque combien là? Deux normalement, il en manque que deux. Ouais, parce que ça devient pénible. Il n'en manque que deux. Ouais, deux. J'en ai trois là. Ah non, c'est des wabits, pardon. Tu parles le non-sens. J'en ai un. Oh, j'en ai trois. Où ça? En 25 moins 5. C'est où 25 moins 5? Lolo. C'est juste au-dessus du zap. Ah, faut descendre tout en bas. Ah oui, moins 5, mais quand même utile. Moi je remontais. L'oreillette nous signale de checker les tunnels aussi. Ah ouais. Ça aurait pu être une idée. Un cul-de-sac à droite. Pourquoi mon chef il m'envoie un mail maintenant quoi? Parce qu'il veut toujours te faire chier vers 19h. Moi c'était hier à 23h53. What? Ah ouais, ne répondez surtout pas après une certaine heure. Hein. Ah oui, non mais. C'est un mail groupé donc ça va. Moi je suis un peu obligé quand c'est minuit. Genre, hey, on a oublié de faire ça. Ouais. Non, on peut pas venir. Ah mince. Qu'est-ce qui se passe? Jake, il est bloqué. Oui, mais je suis vraiment bloqué. Carottes. Allez hop. Approchez-vous, non? Au moins, grâce à Félation et Griffe Jouet, t'as des sorts qui peuvent taper loin. T'es plus obligé de te rapprocher et faire bluff. Bon, même bluff, c'est bien, hein, mais. Petit
petit à petit, tu vas l'enlever de ton kit de sort, je pense. Aïe. Waouh. Waouh. Oh, 15 PV. Pitoyable. Moi, je vais essayer mon nouveau sort. Ah, Jean-Michel. Jean-Michel Apostasie. Mais non, Jean-Michel Apathy. Jean-Michel Aplati. Aplati, pourquoi? Dans la maison que Pierre Apostasie. Dans la maison. Et que lui qui aura la maison. C'est un bon enchaînement de ça. Ah, mais c'est juste des mesures à prendre pour le Covid-19. On s'en fout, je suis en télétravail. Oh, mais on est mercredi! Moi, ce qui me fait rire, c'est quand je vois tous les types dans les types, quand je dis types, c'est hommes et femmes. Hein. Dans les supermarchés qui attendent l'arrivée de, je sais pas, de tissus et tout pour faire leur propre masque et qui s'entasse pour en choper le plus possible. Si tu veux porter un masque déjà, respecte les distances de sécurité, tu iras plus vite qu'on nous. Ils m'énervent tous, mais ils m'énervent. C'est comme sur l'autoroute, un trait danger, deux traits sécurité. Ben, un mètre danger, deux mètres sécurité. Deux mètres reste danger, je crois, sur l'autoroute. Non, mais pas sur l'autoroute, oh, c'était la comparaison. Oh, putain. Tu prends les chariots, c'est pareil, les caddies là. Ouais. Quoi? Aïe, aïe, aïe. Mais sinon, tu vas à un magasin spécialisé de tissus qui sont ouverts et il n'y a personne. Me mettre là. Je vais faire ça. Dommage. Et ça. Oh, trop loin. Et non. Swell. C'est. Chouette. On a fini. Allez voir l'Ogel Linat. Et Capitaine Lee. Capitaine Majeur. Ouais. Oh, mais c'est pas fini. Non. Non, il a dit qu'il y en avait plein d'autres, je crois, non? Il y en a trois autres. Oh, je... Elle est où, Captain Lily? Juste en dessous. Ah, okay. Black Wabbit et Wabbit maintenant. Ça fait des challenges, ça? Ouais. Il y a d'autres quêtes qui sont aussi liées à l'idée Wabbit. C'est la quête Guerre épée. Ah oui. Si vous voulez, on peut continuer celle-là pour changer des combats. Tracer les traces de Zoufia Barbe Noire. Barbe Noire, quoi. C'est où? Par contre, Zoufia, j'ai pas. Barbe Noire, c'est Barbe Noire, mais... Mais Zoufia, j'ai pas. Est-ce que tout le monde a la quête Guerre épée? Non. Ah bon? Attends. C'est pas dans l'île de Hobbit, c'est dans Crossmoz. Oui, je l'ai. Guerre ou épée? Tu l'as, Jake? Moi, j'ai fait l'amour, pas la guerre. Quoi? J'ai tapé guerre dans mon truc de quête. Il y a marqué que fait l'amour, pas la guerre. Non, c'est guerre, c'est avec 2 W, c'est pas avec 2 R.
Gay Whippy. Prends-moi Gay Whippy. C'est bon, il faut trouver Soufia Barbe Noire. Bon, ben on va tous au zap du port de Madrestam. Parce que moi j'ai combattre des rats dégoûtants et examiner ce que vous trouverez d'inhabituel sur eux. Bah, c'est l'étape d'après, donc t'es en avance sur nous. Ok. Et du coup, t'as dit qu'il fallait au zap? Au zap du port de Madrestam. Sur le port de Madrestam. La galère. Tu peux parler à Captain Lily pour y aller. Non ? Aussi. Le zap ou... Aussi. Tanzani. Elle avait du poil au pâte. Fais l'insuron. Aussi. Bah non, si fais l'insuron, non. Des ruptures dans les rayons, on devait manger que du riz. Ça donc... n'a ni queue ni tête. C'est pas nouveau ça. N'importe quoi! On rentre dans le souterrain. Quel souterrain? À gauche. Bah, juste. Attends, mais il est pas là. Il est pas là. Si, ah ben... non, il est pas là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je suis en 2, en 9-2. 9-2? Bah, j'ai parlé à la. Elle m'a amené au port. Ah, d'accord. Et puis, il faut que tu viennes en 7-4. En haut, à gauche, en haut, à gauche. En haut, à gauche, en haut, à gauche. D'accord, en haut, à gauche. En haut, à gauche. Et là, je te fais coucou depuis la petite. Depuis le pédiluve, là. Depuis la vigie. Non, c'est vraiment un pédiluve, c'est pas une vigie. Eh bé. Ben, je suis à 8-4 et j'arrive pas à passer. T'es en 8. Ah, c'est bon. Non. Mais il est con mon perso ou il est con? Ah, parce que t'es sur la partie droite de la map. C'est descends. Bon. C'est bon. Et on va dans la grotte. Non, dans la maison grotte. Allez, on monte. Oh. C'était pas clair dessus bien. Ouais. En haut à gauche. À droite. Moi en arrière. En bas. Et nous devons combattre un rat dégoûtant. Lui c'est un Raman. C'est la même chose ou pas? Non. Non mais c'est que sur cette map, Thomas. Bon. Moi j'ai déjà fait. Comment ça tu l'as déjà fait? Bah, je sais pas, si tu me dis que j'étais à l'étape suivante. Mais non, ça y est, nous on vient de te rejoindre là. Ok. Fallait juste trouver la map avant de... C'est juste que toi t'étais déjà venu sur cette map et nous... Et pour pêcher. Bah voilà. Tu veux de l'aide ou pas? Ah mais nul à chier les gars. Nul. Mais il a 43% de résistance terre. M. T'as mais nul à chier. Combattre des rats et exactement... Rats dégoûtants. Chouette. On va essayer de faire le châle parce que le taux de le drop n'est pas automatique. Okay. Ah, sérieux. Bitkin. Comment ça se fait? Thomas, t'es un con, Thomas. T'aurais pas dû ouvrir ta bouche. Mais au moins, ça file plein de pourcentage de butin. Donc on le fait. Fais le guerrier. Non. Non, je tape le Raman. Hein. Ben oui, tape le Raman, oui. Et oui. Et pousse-toi en cas pour que Guillaume puisse le toucher. Ouais. Si Thomas le tue pas, ce qui m'étonne pas du tout.
Ces dégâts sont dégueulasses. C'est surtout qu'il y a 43% et 44% dans les centaires. C'est surtout qu'ils sont aussi dégoûtants que les rats. C'est tout. Ouais, c'est bon, Guillaume, on va le tuer. Moi, j'ai commencé le rat dégoûtant. Ok, il a bailli. Bah non. Allez, tue le raman, s'il te plaît. Attends, deux secondes. Juste. C'est grigeuse, voilà. Oh, 3. Refait. Ouais. Ok, donc maintenant. T'es sûr de toi pour le rat dégoûtant? Ah. Je tue le guerrier. Enfin, je sais pas. On attend un autre tour ou pas? Le guerrier? Ouais, non, il a 720. Je mets un autre allié là. En attendant. De boost? Bah, après ton tour, en fait, Thomas, on va partir sur le rat dégoûtant, je pense. Hein. Ouais. Enfin, ça dépend comment il se place, mais. Que ça foute pas le bordel partout. S'il recule, c'est chiant, quoi. Il va reculer. Ouais, d'accord. On fait quoi alors? On va commencer le guerrier mental après mon tour? Ouais, oui. Je pense. Oui. Si je fais. Juste une question. Si je fais libération là, ça aurait compté ou pas? Je sais pas. J'ai pas envie de compter. C'est pas grave, si je le tue pas. Prochain tour, on va ramasser. Ça ressemble un peu à un bruit qu'il y avait dans le petit bonhomme bleu. Ouais. Du. Plus 100%. Ah ouais, 100%. Dans la gueule. Et toi là et. Ok, merci. Pourquoi t'as fait ça? Voilà pourquoi. Pour nous donner la foi. Oh mais sérieux? Ah. Tu vas pas pouvoir le toucher? Tac 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 tac. On va prendre sur place. On va commencer au prochain tour. Hein. Quoique. Je voudrais me mettre là, je pense. S'il bouge pas. Oh putain! Ok. On l'attaque ou pas? Ça c'était des gars, Guillaume. On l'attaque pas encore. On l'attaque pas encore. Bon, je me place quand même. Mmh. Je me mets ça. T'as d'autres invoques à mettre ou pas? Moi, oui, évidemment. Un gros touffu? Non. Ah, tu pourras en ramener une vers moi pour que je puisse me le transpo? Ouais, si tu veux. Tiens, le petit tas. Merci. Je vais peut-être mourir, mais. Ah bon? Tiens. Ok. Ouais, merci. Moi, je les prends, mes dégâts dans la gueule. Il a des résistances. Et feu. Vas-y, Jake, fais griffe joueuse. Non! Il a des résistances. Oh. Non, c'est qu'en fait, j'ai mis la griffe joueuse de manière à ne pas toucher Eric. Donc c'est arrivé en bouffe, donc il y avait moins de dégâts. Merci. Hey, on l'a tous droppé. Ouais. Oreille? De quoi?
Qu'est-ce qu'on était censé dropper? Ah, le truc, hein. Pas du tout. Et on a tous droppé une oreille, on a tous droppé une peau, et on a tous droppé un poil. Donc, on est là pour des quêtes, donc évidemment qu'on droppe un objet de quête. Allez dans votre inventaire, dans objet de quête, et double-cliquez dessus. Dans objet de quoi? Objet de quête. Avant de déchiffrer le texte écrit sur cette page, vous soupçonnez qu'il faut avoir une cervelle de Wabbit pour en saisir le sens. Avant de retourner sur l'île des Wabbit, on va lancer une autre quête. D'accord. Qui se lance en moins 1, moins 39, c'est le zap des lacs de Cania. Waouh, c'est loin. C'est où la sortie? Tu prends dans ton œuvre sac et tu... Va dans ton œuvre sac, tu prends directement. Ah, vu qu'on était en intérieur. Moins un... Donc lac de Cania. Ouais. Oui. En bas à droite. C'est ça. Pour ceux qui se demandent. C'est fini les blocs. C'est fini. Je sais où on va. C'est facile ce jeu de toute façon. Tricheur. Un petit peu. Moins 1, moins 39. Oui, oui. Attends, mais t'es sûr qu'il y a tout, là? Il m'a filé que le Wabbit Gem. Ben c'est ça, c'est ça. Ah, ok. Quoi? Attends, ça c'est moins 3. Moins 2. Pour montrer à Thomas. Touk. Alors, derrière l'arbre, en haut à gauche, il y a une case cachée. Pourquoi? Parce que... Quel est ce maléfice? Qu'est-ce que ça fait, Jake? Non, faut pas changer de map. Bah, j'ai eu, mais j'ai pas fait exprès. T'es descendu, Yaki? Bah, évidemment. Plus haut, Jake, plus haut. Mais j'y arrive pas. Plus haut. Si. Oui, plus haut. Voilà. Comment tu prends l'échelle? Ça. Et tu parles à WoG. Dans les vieilles maps, Thomas, il y avait ça dans la 1.29. Hein. Je sais, mais comment t'es censé savoir ça? Eh ben, c'est tout, tu cherches. Ouais, il y a des gens qui ont rien d'autre à foutre de leur vie, donc voilà. Puis il y a des gens qui passent leur vie à faire des cartes. Ok. C'est bon, tout le monde a lancé la quête Roger l'ermite? Oui. Donc on peut retourner sur l'île des Wabbit maintenant. Mal le jeu de mots. Oh non, on va falloir refaire le labyrinthe pourri. Pour aller au labyrinthe. Au laboratoire Wabbit. Bon, il est pas loin. On parle à Xiap. Oui, on parle à Xiap. Amener... C'est qui, Xiap? C'est qui, Xiap? Le lapin. Petit lapin. Il est là, il est juste là. Oh putain, oui, ouais. Écoutez. Non, on va pas retourner à Cania maintenant, pas vrai? Non, on va je vais aller voir si elle est au Wabbit Gem. Ouais, parce que c'est un peu con, ramener à Roger l'ermite un jus de carotte. Oui. C'est-à-dire qu'il va falloir retourner le voir, celui qu'on a vu là-bas. Bah oui. Derrière l'arbre caché. Pourquoi il y a autant de tronc-nid là, d'un coup? Mais on l'a dit au début du stream, pourquoi? Eh oui, mais c'est pour penser que les gens ils font autre chose de leur vie. Ah non, les gens ils cherchent derrière les arbres et les cailloux. Ben s'il faut là, ça fait 2 heures qu'il est dans la file d'attente, il vient de faire son almanach et maintenant il va peut-être jouer. Peut-être, s'il est pas saoulé.
Attention. Et en attention. Plus, c'est la fin de la quête pour retourner voir Roger. Oh putain. Il est là. Il est là. Pardonnez. Oui. Donc, on va... Alors, en haut, à droite. Donc, en partant de Xiap, vous montez. Oui. À gauche. Merde. À gauche. Je savais qu'il fallait pas écouter Thomas. Tu vas jamais l'écouter de deux doses. On monte. Ouais. Ah merde, il y a d'autres gens. Vous montez de trois maps. Oh putain. Oh, trop tard, il a lancé le combat. Oh, ils font chier. Deux. Il est tout le temps sur la même map ou pas? Oui. 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 Oh, c'est chiant. Oh. Donc on fait quoi à la place? Black Wabbit et Wabbit? Ouais, on peut tuer des Black Wabbit et des Wabbit. Attends, c'est chiant. Sa map à lui, c'est quoi la map à lui? Que je sache. En 25-8, mais c'est dans un souterrain de souterrain. Ah, ok, bon. 5 Black Wabbit et 5. C'est la fin de la quête pour retourner voir Roger, je crois, sur Absolve. Ouais. C'est, il me troll. T'es fou, je suis toujours en mode créature. Moi ça va, je sais plus depuis combien de temps. C'est, ça respecte bien le mode créa à tel niveau. Et... Enfin bref. Pour faire des Wabbit et des Black Wabbit, moi je vous attends en 23-6. Bon, bah je suis là. 23. Il y a 3 Black Wabbit. Et 1 Wabbit. Wabbit. Moi. Je veux pas trop m'avancer, mais je pense que si c'est juste tuer des monstres, peut-être qu'on finira tranquillou entre nous, non? Oui, on peut, oui. Faire des combats, c'est oui. Intéressant. Hein. Le problème, c'est que le Wabbit Gem, ce serait bien de le faire en stream, quoi. Et le problème, c'est qu'on n'est jamais sûr de quand il est là. C'est ça. Voilà. C'est chiant. On est là? Ouais. Purée. Flûte. C'est un bébé moustique, ça. Crève. Un bébé moustique. J'aurais pas dû le tuer. Pourquoi? Parce que sa maman, elle va le chercher, elle va t'attaquer. Oh, putain. Crois-moi, elle se régale bien le soir, hein, cette vilaine créature. Pour pas dire autre chose. Parce que j'en peux plus, moi, des moustiques. Ça fait un mois, quoi. Un mois que je me bats avec. J'en ai ah marre. Ouais? J'en ai vraiment marre. Ah, moi j'ai mis ma moustiquaire, ça y est. Bah, moi. Moustiquaire, j'enlève pas de l'année. J'enlève pas de l'année. C'est fou qu'on en ait pas ici. Pourtant, on est infesté tous les ans. Mais surtout que je suis en pleine Toulouse, il n'y a pas d'eau morte, quoi. J'avoue. Tu rigoles ou quoi? Il n'y en a pas là où je suis. À Sainte-Anne, t'as un ruisseau. Hein. Oui, enfin, il reste près du ruisseau, il vient pas nous faire chier, quoi. Ça bouge, les moustiques, à plusieurs centaines de mètres. Hein. C'est des coups. De façon, je te dis, je vais tester mon piège. Mon piège artisanal maison, on verra bien, hein. J'ai rien à perdre. Si, je perds 50 grammes de sucre et 1 gramme de levure. Et de l'eau. Tu vas réussir à tirer les fourmis pour toi? Ouais, je vais... Je sais pas, ça. C'est un piège, donc même s'il y a des fourmis dedans...
Et c'est surtout que je vais mettre sur mon rebord de fenêtre. Je vais pas le mettre à l'intérieur parce que ça va m'attirer des bêtes à la con. Et après, je vais pleurer. Genre, mon dieu, une araignée, non. Après, je vais t'appeler là. Oh mon dieu. Non, mais Eric, je peux pas, je suis en réunion là avec Alexandra. Oh mon dieu. Oh merde, je crois que je peux pas le toucher. Et merde. Tant pis. Il s'est passé. Ok. Il atterrit. Il lisait plein de mèmes et là, putain, de qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde est mort. À droite, y'a rien d'intéressant. Bah, va voir et après on verra. Tu vas être là. Si j'y vais et qu'il y a un bon groupe. Y a, en dessous, il y a deux Black Wabbit et un Wabbit. Black Wabbit, j'en ai quatre. Bon, le but c'est d'en vaincre 5, donc on les a déjà. Ouais, oh, d'accord, mais d'accord, bon d'accord. Allez, on va en bas. Excuse-moi de vous déranger, hein. J'ai une question très con. Oui. Je sais pas si je vais le mettre en temps fort, ça. Est-ce que... Vous avez... Nous, on le règle, oui. Est-ce que... Vous avez... dans votre trousse ou dans votre peau à crayon, je sais pas, un stylo préféré? Oui. Oui. Et non. Vous utilisez toujours, même si vous savez très bien qu'à un moment donné, il va mourir. Oui. J'en avais, oui, avant. Voilà, c'était ma question du jour. Après, ça fait longtemps que j'ai plus écrit. Quoi? T'en as un, Eric, et il est mort, ça y est? Bah, il est pas mort, mais... Mais je l'aime bien parce qu'il peut faire tactile sur le téléphone. C'est, en fait, c'est un stylo genre que tu tournes et bon, t'as la mine qui sort avec l'encre, voilà. Mais de l'autre bout, là où sur un crayon il y aurait, on va dire, le côté gomme, eh ben, j'ai ça. Et... Gomme. Bon, je vais tester le tourbillon. Qu'est-ce que ça fait? C'est moi ou c'est de la merde? C'est de la merde. 4 PA pour ça. Ah, parce... il faut le lancer sur un crapaud et c'est tellement mieux. Ok, d'accord. Allez, on repart R. Genre, ça fait des effets en fonction du... Genre, occasionne des dommages haut sur un crapaud du lanceur. Occasionne des dommages haut en zone. La taille de la zone dépend du crapaud. Le mélanique, c'est les cellules adjacentes. L'albina, c'est les cellules adjacentes et diagonales. Le verdoyant, c'est des cellules à 2 de distance ou moins. Waouh. Ouais, mais sauf que ils sont rigolos parce que ben, le crapaud verdoyant, il pue. Je trouve nul. Zéro. Vomi. Non. Non. Voilà, c'était ma question du jour. C'était bien, hein? Ben oui. Deuxième question du jour. Pour ou contre Routel Krayev? C'est une journaliste. Quoi? Mais je sais. Je sais bien, c'était pas une vraie question. D'accord. Et pour ou contre Julien Tellouk? Journaliste jeux vidéo pour ceux qui savent pas. Ok. Y'a pas comme moi. Y'a pas comme moi qui savait pas. Autrement, il doit le connaître. Non.
Il est venu plusieurs fois au TGS en compagnie de Marcus. Mais Marcus, mais please. Non plus, hein, quand je parle à Marcus. Hein. Donc pas... quoi ? Il faut du. Il manque 3 ou il y en a 2 là. Ben go, hein. Ah ben go, hein. On ne passe pas go. On ne touche pas 20 000 francs. Alors, je vais directement en prison. C'est quoi des francs ? C'est quoi une cassette vidéo ? Hein ? Pas grave. Ah, tu veux dire que notre public ne sait même pas ce qu'est un franc ni une cassette vidéo ? Totalement. C'est pour toi. Oh bah. Alors, il y a quelqu'un là ? Oui, il y a Thomas. Qui me dit qu'ils ne savent pas comment utiliser un téléphone filaire, là, vous pouvez le croire. Non, un filaire, ça va, mais un filaire avec la roulette, par contre... Oui, un cadran, quoi. Bon, ok, un téléphone filaire à cadran. C'était trop bien, moi. Moi, j'adorais ça. Ouais, tout le monde adorait. C'était chiant, ça faisait mal aux doigts. Ah bon? Et quand t'étais petit, au contraire, t'avais des petits doigts, donc ça faisait pas mal. Ouais, mais oh, je me suis trompé de chiffres, faut que je recommence tout. Ah ben, c'est ça qui est beau. Ça qui est la vérité, comme ils disent. Le Magic System. Blip. Tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. On dit toujours, il y a espoir. C'est ça. C'est des Wabbit. Kikine. Tiens, voilà. Et là, je sors de la visée. Putain, ils ont de la vie, c'est con. T'as fait échouer le challenge. C'est vrai. C'est vrai. Tu veux vraiment savoir pourquoi ou pas? Parce que tu t'en bats les steaks. Ah non non. Parce que je pensais qu'on était encore sur nomade du combat d'avant. Voilà pourquoi. Moi je suis en mode ouais nomade, allez c'est facile, je le fais. Aïe. Nomade. Bon, il manque juste un Wabbit. Allez, on va essayer de prendre un petit groupe. Il est là. Un petit groupe. Après celui-là, on arrête. Hein. Ça va être là. Bah ouais. Où c'est qu'il y en a là ? Putain, y'a que des gros groupes là. Bon, c'est pas, on finit par un gros et puis voilà. Oh là, il y avait 3 Wabbit, 2 Black Wabbit. Là, en 26.5. Alors, 26.5. En haut à droite du zap.
lame. T'as, tu vois, nomade. T'es, tu peux faire nomade si tu veux. Yeah, nomade. Alors. Est-ce que les ennemis peuvent se faire tacler? Oui. Oui, bien sûr. Non, je comprends pas. Regarde le Black Wabbit. Tu comprends pas ce système? Non. Regarde, les cas, il a des cases rouges et une case verte. Regarde le Wabbit, il a que des cases rouges. Tu vois ou pas? Ouais, ouais, j'ai vu, mais... c'est... j'arrive pas à intégrer le truc en fait. Enfin, pour moi, oui, je commence, mais. Non, mais coup, pour moi, oui, ça commence à venir, mais pour les ennemis, j'ai. C'est la même chose. Bah, c'est le même principe. C'est exactement le même principe, ce qui s'applique à tout le monde. Je peux pas réattaquer. Oh, les PM. Au fait, Thomas et Louis. Oui. Je t'avais dit à Eric, mais je l'ai pas mis dans la conversation. Mon abonnement d'Ofus est jusqu'en novembre. D'accord. Oh. Voilà. D'accord. Jusqu'au 7 novembre. Bon, ça moi, va. Jusqu'au 26 mai. Moi, je sais pas. Moi, jusqu'au 1er février 2021. Oh putain. Là, il prend pas un paquet de 1 an, il est sûr d'y jouer donc. Ouais. On a fini. Bon, on va rendre ouais. La quête. Et la quête, on la rend à l'Ogel le Lénald. À l'accueil, d'accord. Ouais, à l'accueil. À l'accueil, oui, à l'accueil de l'île. La petite Jake est attendue chez l'Ogel le Lénald. À l'accueil, merci. Ah, bah, faut faire des. Le bit squelette. Youpi. Faudra faire un châle. Faudra faire un châle. Eh, j'ai eu un. Va des rétro. En quête de sens. J'accepte. Putain, 500 000 d'XP. Tout ça qui part dans le drap, dans le machin. Ah, mais on va pouvoir enlever la limitation. Tout le monde est niveau 75. Ah, bah oui, bah, j'enlève ma limitation. Pourquoi j'ai fait ça? Ah, non. Bon, c'est pas... Cool. Si je prends trop de niveau avec l'almanach, je freinerai. Bon, on va arrêter là pour ce soir. Donc, ben, la prochaine fois, on va faire des Wabbit squelettes. Et je sais pas trop. Si on a la chance de faire le GM, ce serait bien. Mais ouais. Voilà. Oui. Donc, sur ce, on vous fait des bisous. On vous dit à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner sur Mens. Partout. Ouais, partout. Réseaux voilà, partout. Sociaux, Instagram, Twitter. Ouais, et... venez sur Discord aussi, on y poste beaucoup de choses, que ce soit bien ou pas. Vous c'est pouvez pas faire grave. Un don à l'OSO. Oui. Et puis à la prochaine. Allez, au revoir. Bisous.